Le but de notre association, qui est l'Association nationale des acteurs de l'école, c'est de faire se rencontrer tous les acteurs de l'école pour travailler notamment sur l'intégration du numérique à l'école. Ces deux journées de cette manifestation qui s'appelle Boussole, c'est de réfléchir sur les orientations qu'on peut prendre à l'école par rapport au numérique. Et on a fait se rencontrer les acteurs, notamment locaux, départementaux et à l'échelle de la région et au-delà. Nous avons aussi des personnes du ministère qui sont venues voir nos travaux pour voir comment se mettait en place l'éducation au numérique dans l'établissement scolaire. Et nous avons eu aussi le plaisir d'avoir des élèves qui viennent aussi nous donner leur regard sur ce numérique qu'on va mettre dans les établissements scolaires. Notre site Educavox, qui a maintenant 3 ans, permet de mettre en valeur le travail qui se fait dans les écoles, dans les classes. Il est entièrement conçu par des bénévoles et puis tout le monde peut être auteur. Nous n'avons dessus aucune publicité, de manière à ce que tout le monde puisse venir, trouver des idées, raconter ce qu'ils font aussi dans leur établissement scolaire et pour faire connaître aussi tout le travail qui se fait dans les écoles, aux parents, à d'autres publics aussi à l'extérieur. Et puis ça permet aussi de réfléchir sur les grands enjeux, on va dire, de l'éducation, c'est-à-dire comment l'éducation peut évoluer, surtout aujourd'hui avec toutes les questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement de nos établissements scolaires et la mise en place de la réforme.